Salut les multis! J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Banquet des imposteurs, jour 3. Donc, aujourd'hui, ça va être une excellente journée. On va parler de plein de choses. On va parler des imposteurs. On en a vu plusieurs hier. On a vu l'indécision et la peur du jugement. On a fait quelques blagues douteuses. Écoute, on a eu bien du plaisir hier. Merci à ceux qui sont en live sur la communauté. Salut Mika, salut Roxy, salut Lauréane, salut Manu. Et celle en live sur le Zoom aussi. Donc, salut Céline, salut Céline, salut Céline, salut Céline, salut Christelle. Donc, c'est toutes les Céline sont priées de se rejoindre sur le Zoom. C'est pas vrai du tout, OK? Parce qu'on va avoir, ça va être beaucoup trop compliqué pour mon cerveau. Donc, ça commence fort. Je vais aller éteindre la petite toune vraiment cute qu'il y a en arrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, on commence ça aujourd'hui. Et voilà, vous voyez mon écran, Céline et Céline? Les trois C, vous voyez mon écran? Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de la procrastination et de l'éparpillement. Donc, est-ce que c'est des imposteurs? Déjà, je vous demande direct, flat de même. Est-ce que c'est des gens qui vous visitent un peu trop souvent? Moi, ils sont toujours là, hein, vous le savez, ils sont toujours à côté, mes imposteurs, ils sont tous assis, là, puis ils me regardent, ils sont comme... C'est pas bien bon ton live, t'es vraiment pas drôle. OK? Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est procrastination. Donc, il me semble qu'on a une série à écouter au lieu d'aller travailler. Ou il me semble que j'ai un bricolage à faire avec mes enfants au lieu de rejoindre ma dernière cliente. Et l'éparpillement, c'est, dans le fond, on ne sait pas trop où aller, tu es donc bien éparpillé, tu fais plein de choses en même temps, tu passes d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre. On va en parler. Soyez assurés. Vous pouvez télécharger le document du cahier d'exercice des 8 imposteurs, si vous voulez aller voir. Vous pouvez, c'est, il y a toute la description de tous les imposteurs. Il y a toutes des petites questions bien, bien cute que vous pouvez faire. C'est le document qu'on va utiliser aussi dans les 8 prochains mois dans la Société secrète Octo. Si vous ne savez pas c'est quoi la Société secrète Octo, puis vous venez d'arriver ici, je vais tout vous expliquer ça tantôt. Si vous venez d'arriver et vous ne savez pas je suis qui, ça c'est encore plus drôle. Parce que là, vous faites comme, mais c'est qui elle, genre, mettons. C'est quoi qui se passe dans mon live le matin? Je ne sais pas, à m'intrigue, je vais continuer à écouter. Écoute, d'un coup, qu'il y aurait une bonne blague qui passerait, OK? Ou mauvaise aussi, là, ça arrive. Mais des fois, j'ai rate aussi, comme dans le webinaire, là, c'était quand même drôle, lundi soir, là, c'était comme vraiment quand même drôle. Fait que vous pouvez télécharger ça au bit.ly/cahier-banquet avec grand plaisir. Octo, c'est quoi? Octo, c'est quelque chose que j'ai créé, dans le fond, c'est une société secrète, pas une vraie société secrète, je ne suis pas une grande prêtresse de société secrète. Mais ça me tentait de créer un espace avec plein de multipotentiels comme moi. Donc, c'est vraiment un espace qu'on peut échanger, que personne ne va nous juger parce qu'on va dire, hey, j'ai un nouveau projet. Là, moi, je vais dire, ah ouais, c'est bien cool, c'est quoi? OK, ça va vraiment ressembler à ça. Je l'ai fait dans le passé, dans les 8 derniers mois. Là, il y a plein de clientes qui se connectent. Là, je ne sais pas si Céline, tu es là parce que tu veux parler ou juste parce que ça te tente d'écouter. Même chose, Christina. Christelle, elle va parler tantôt. Il y a plein de clientes qui ont été dans cette société-là et qui ont trippé. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette société? On va en parler un peu plus tard. Parce qu'avant, je vais vous parler de quel genre de personnes viennent dans cette société-là. Salut, Tom! Donc, Emmanuel a dit c'est la Mariah Carey du Québec. Fait que là, je vais être obligée de chanter Lavez, lavez, savez-vous savonner, lavez. Ça, c'était pour Claudie Labrosse qui me fait des petits clins d'œil. Pour une multipotentielle, on recherche en résistance à spécialisation, la chose, le programme, la coach, l'affaire qui va faire que, enfin, on va pouvoir respirer, on va pouvoir tout faire, puis ça va être tout réglé d'une shot. T'sais, on n'est pas du tout intense, puis pas du tout dans la perfection. Okay? Donc, les formules, là, one size fit all, c'est comme quand tu vas magasiner, puis là, tu trouves des petites culottes ou un gilet ou quelque chose qui est écrit one size. Ça ne fera pas à tout le monde. C'est du déni conscient de penser que ces petites culottes-là vont faire à tout le monde. C'est sûr que moi, puis Étienne, ça ne sera pas pareil, là, tu comprends? C'est sûr que ça ne sera pas. Là, je ne vois pas Étienne aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il est en train de rire. Tu avais juste à ne pas être là, je te prends un exemple. Donc, mais c'est une excellente nouvelle qu'on ne fit pas dans la boîte. Aujourd'hui, j'ai ma boîte, donc on ne fit pas dedans. T'sais, moi, je ne peux pas rentrer dans cette boîte-là. Mais plus que j'essaye de rentrer dans la boîte, moins que je suis bien, parce que plus que mes organes sont tous coincés dedans, la boîte, vous comprenez? Arrêtez d'essayer de vous rentrer dans une boîte. Vous n'êtes pas dedans. Ça, c'est très bon. C'est une bonne nouvelle, parce que nous autres, là, si on a une boîte, on n'est pas bien, puis on a une créativité sans limite. OK? Le problème qu'on a entre nous, ce n'est pas d'avoir des bonnes idées. On est-tu d'accord que juste nous cinq, mettons, là, dans le live, puis les 78 000 personnes qui sont dans la communauté, ce n'est pas le problème d'avoir des bonnes idées, là. Des bonnes idées, on en a.
On en a énormément, mais c'est de les mettre en action. Levez la main celles qui ont eu une bonne idée dans les deux derniers mois puis qu'ils ne l'ont pas mis en action. Céline, accent sexy franco-canadienne, lève ta main. Hein? C'est surtout de s'autoriser à être soi. C'est pour ça que j'ai créé aussi Octo. C'est ça de dire, OK, je m'autorise à être moi dans toutes mes facettes. Ça veut dire que si je fais des jokes douteuses, c'est correct, je les passe. Si je dis sur un live sur Facebook, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a personne dernièrement qui a dit qu'il rentrait tous ses organes dans une boîte. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a dit ça dans les dernières 24 heures, tu sais. Donc, c'est de s'autoriser à être moi dans mon unicité plutôt que de chercher une boîte qui pourrait me convenir. Créez votre boîte. C'est ça, là. Puis moi, j'ai créé ma boîte. Avec Octo, j'ai créé l'espace que moi, je voulais avoir. Quand j'étais prise dans mes syndromes d'imposteur avec tous mes amis imposteurs qui sont ici, puis que je voulais les tasser, puis je voulais faire comme, c'est-tu quoi? Céline et Céline et Céline et tous ceux qui commencent par C, parce que c'est très drôle, parce que Christina, elle s'est connectée. Fait que là, ça commence vraiment tout par C. Fait que de sortir et de ne pas me faire juger. C'est pour ça que je suis capable d'être en live aujourd'hui. Parce que je sais qu'il n'y a aucun d'entre vous qui m'écoute. Peut-être qu'il y en a qui sont là pour me juger, mais tant mieux si vous voulez perdre du temps. Mais moi, étant un fond de Pokémon, Seigneur! Tu sais comment, hein? Vraiment, là, j'ai débarqué de mon idée. Merci beaucoup. On remercie Étienne, on l'a dit. Donc, d'être dans un endroit sécuritaire pour être complètement moi dans toutes mes facettes. Même si j'ai des imposteurs. Puis qu'il n'y a personne qui va me juger parce que j'ai des imposteurs et que je suis dans l'excellence. OK? Je pensais avoir tout pour réussir. Quand je vous dis j'ai tout pour réussir, je pense que j'ai vraiment, je suis faite pour des grandes choses, mais je ne suis pas faite pour y arriver. Puis là, je ne pense pas que j'ai assez d'argent. Puis là, ah, ben là, j'ai pas assez de temps. Puis là, j'ai pas assez de diplôme. Puis là, j'ai pas la bonne coach. Puis j'ai pas assez de connaissances. Fait que je vais aller faire une autre formation. Puis là, je vais aller parler de ça à ma mère. Mais là, ma mère a dit que c'est pas correct. Fait que là, on le fera pas. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours. Bon, Ethan est applaudi en commentaire sur la communauté. Seigneur! Je sais pas ce que je vais faire avec lui. En tout cas, ça pourra, peut-être qu'il sera la mascotte. Qui sait? Hein? On avait tellement... Là, je parle d'un sujet hyper sérieux. Arrêtez de me déconcentrer. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire, là, OK? J'avais tellement le focus sur tout ce que j'avais pas, OK? Tout ce que j'avais pas, tout ce qui me manquait. Genre, il manque ça, puis là, je me compare à une autre personne, puis là, elle est donc bien bonne, puis elle a du succès, puis son PowerPoint qui est beau, puis elle a pas des chandelles qui éteignent en arrière. Puis, tu sais, je me compare, OK? Puis, je me rendais pas compte de ce que j'avais, OK? J'avais une grande intelligence. Vous avez toutes une grande intelligence, ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent, toutes les multipotentielles. Est-ce que c'est une intelligence de 473 millions fois pi divisé par je ne sais pas quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas nécessairement une intelligence mathématique. Ça peut être une intelligence cérébrale de faire des liens. Faire des liens en deux choses. Claudie Labrosse, elle m'a mis au défi de chanter « Lavez, lavez, savez-vous savonner? » Puis là, je me suis dit « Comment est-ce que je vais faire un lien entre ce tune-là? » Mais tu sais, tout seul, le janté lave tes imposteurs. Tu peux laver mes fenêtres, sont sales. Faut vraiment que je lave mes fenêtres. Fait qu'à chaque fois que je vais laver mes fenêtres, c'est tous des petits carreaux. Des carreaux, c'est comme des cases dans ma tête. C'est comme les imposteurs. Ça fait que je veux me diviser, mais plus que je me divise, moins que je suis bien. L'avez-vous vu le lien avec la chanson de Martine Sinclair? Ça, ce que je viens de faire, c'est un signe d'intelligence. Et vous l'avez aussi. OK? Même si vous ne me croyez pas. Moi, je vais croire que vous êtes exceptionnel jusqu'à temps que vous le croyez. C'est ça mon rôle. On a une créativité sans borne. Elle n'a pas de borne. On n'en a pas de limite. Elle n'a pas de clôture. OK? Elle va jusqu'en Europe. Elle revient. C'est vraiment sans borne. Capacité d'innover et de créer du jamais vu. Donc, personne, en tout cas de ce que je pense, a fait un banquet d'imposteurs. Genre, vraiment. Personne. Je pense pas, en tout cas. Si vous en trouvez un, vous me direz, je veux vraiment y parler. Bien, la capacité que j'ai eue avec Emmanuel Leca, qui est là quand même aussi, puis qui m'a aidé énormément dans ce lancement-là, bien, on a créé quelque chose qui n'était jamais vu. Ça, c'est une forme d'intelligence aussi, puis c'est quelque chose qu'on a différent. Un cerveau qui apprend vite. Donc, on apprend vite. Ah oui, c'est ça. OK, c'est bon, c'est correct. Maintenant, le reste de la classe, puis je dis ça parce que Céline va à l'école puis que moi, je vais à l'université, c'est comme, est-ce que le reste de la classe pourrait suivre, s'il vous plaît, puis on pourrait avancer? Genre. Et là, là, je te comprends tellement. Bon, il y a Manuel Leca qui dit qu'on a aussi créé une comédie musicale et pour elle, je vais chanter parce que là, le monde se plaint parce que je chante pas, fait que je vais chanter aujourd'hui. Changer,
Pour un jour que je l'ai trouvé, ce parfum de l'amour. En tout cas, OK, c'est bon, Manu, c'est réglé. Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas. C'est on the spot à matin. Si ça va être intense, ce live-là, matin, je vous jure, je suis en feu, là, mais comme j'ai jamais été de toute ma vie. Une facilité, une adaptation au changement. Pas tout le temps. On n'est pas tout le temps bon pour réagir au changement, OK? Parce qu'on est intense, on a des émotions, fait que là, il y a un changement, puis c'est la fin du monde, on l'a dit hier. Une multipotentielle, c'est un petit peu drama queen sur les bords, genre, ah, oh, mon Dieu, c'est terminé, OK? Donc, mais après, on a une capacité, un super pouvoir qui est de se retourner sur un dixième. Ça veut dire que quand on a quelque chose à régler et qu'on le règle. Puis ça, là, c'est très, très beau, c'est magnifique. J'adore ce super pouvoir qu'on a. Une facilité déconcertante à connecter avec les autres, OK? Le fait que Ethan a mis un fond de Pokémon, c'est pas essentiel ni à ma vie ni à la sienne, OK, à matin, tu sais. Sauf que ça fait en sorte qu'on connaît. Ça fait en sorte que je fais comme, hey, c'est vraiment drôle, OK? Ça s'est fait tout seul. J'ai pas réfléchi, là. J'ai pas analysé puis suranalysé que j'allais dire ça, Ethan. Non, ça se fait tout seul. Fait que c'est ça que j'ai la capacité de connecter lorsque je le choisis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai une sociable, mais sélective en temps. Quand je veux pas être sociable, là, ça me tombe pas. Mais quand ça me tombe, par exemple, je le fais bien. Donc, est-ce que ça vous ressemble? À main levée, mettons. On se reconnaît. Si on se reconnaît, vous êtes des candidats idéaux pour la société Octo. Puis vous allez avoir bien du gros fun. OK? Ça, c'est la partie. Je vais prendre une gorgée dans ma bouteille d'eau. Donc, c'est tellement. J'ai écrit sur la page que, ben, Lauréane vient juste de mettre. C'est tellement frustrant de se sentir seul et anormal. Si je l'ai senti. De chercher sans cesse des solutions. C'est pas genre on cherche des solutions 5 minutes à l'heure, là. C'est on cherche toujours. Puis, des fois, on sait même pas ce qu'on cherche. On cherche toujours quelque chose. Puis de l'information qui expliquerait comment je me sens. Quand je vais trouver le livre ou l'affaire qui va expliquer comment je me sens, ça va faire comme... C'est pour ça que souvent, mes clientes me disent, quand tu me parlais de ça, on dirait que tu parlais de moi, ça me fait du bien, ça l'apaise. Parce que je mets des mots sur des sensations que moi j'ai puis que vous autres vous avez parce que je ferai comme vous. Avec l'impression de ne jamais pouvoir trouver d'issue. Donc, il n'y a pas le chemin, on est comme pris là-dedans. J'ai le sentiment, encore aujourd'hui, de vouloir être spécial, mais de vouloir être comme les autres. Mais de vouloir être spécial, de vouloir être comme les autres, de vouloir être incluse, mais de vouloir être différente. C'est comme tellement compliqué. Puis moi, j'ai créé ça parce que personne ne devrait être seul avec son tourbillon mental. Personne ne devrait être seul. Je vous l'ai dit, ma mission, c'est que personne ne se sente anormal quand ils sont aussi extraordinaires. Ça, c'était mon intro. Pas pire, hein? On va commencer le sujet là, maintenant. C'était bon, mon intro. Bon, OK. Marjorie David a dit « Je suis normale ». Ta-da-da-da! Une de plus qui est normale. On est toutes normales. Claudie a dit « Envoyez vos demandes spéciales ». Claudie Labrosque a dit « Ketan, c'est ma personne préférée aujourd'hui ». Donc, sachez-le. C'est sûr que... Claudie, là, je vais en parler tantôt, elle fait des résumés de ce que je fais. Hein? Sachez que c'est sûr que ça va passer dans le résumé, cette histoire-là. Voilà. Donc, les 8 imposteurs, la part du jugement, le manque de confiance, FOMO, c'est la... Le fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Attendez une seconde, avec Virginie. Procrastination, l'éparpillement, l'insécurité financière, l'indécision, l'autosabotage, le perfectionnisme. Et celui qu'on n'invite jamais, puis s'invite toujours à la dernière minute, le perfectionniste. Donc, là, Claudie, il va falloir que quelqu'un la gère parce que là, elle veut avoir un avion déchire le soir de Nathalie et René Simon. Je ne suis pas sûre que c'est ça le titre de la chanson. Donc, un avion déchire le soir. OK, c'est bon. OK. Imposteur numéro 3, la procrastination. La procrastination, vous savez sûrement c'est quoi parce que c'est pas mal un fort. On remet au lendemain ce qu'on pourrait faire tout à fait aujourd'hui, là. Mais on pourrait le faire. C'est physiquement, on peut le faire, mais on le remet consciemment ou non. Je pense, honnêtement, que pour les multipotentiels, on a de la difficulté à se concentrer sur une seule chose. On s'intéresse à plusieurs domaines, puis à plusieurs, on a tendance à tout faire en même temps. Fait que pour nous, c'est soit qu'on procrastine ou soit qu'on fait tout au complet.
Fait que là, quand l'idée de faire tout au complet, on est-tu d'accord que c'est décourageant en avance? C'est pour ça qu'on ne fait pas de projet hein, aussi, qu'on procrastine, qu'on passe pas à l'action, parce que c'est bien trop compliqué, parce qu'il faudrait faire toutes les tâches tout de suite, puis que ce soit en plus fait super bien avec le perfectionniste. Fait que c'est sûr que juste de vous le dire, là, je suis comme, oh, mon Dieu, ça semble épuisant. Je vais écouter une série à la place de faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est plus difficile pour nous, ça peut être difficile pour les autres aussi, mais nous, vu qu'on a de la misère à se concentrer, bien, c'est comme si tout nous active, on veut tout faire en même temps. Fait que le procrastinationniste, c'est un mélange de du mot procrastination et un artiste du Cirque du Soleil qui fait de la contorsion pour ne pas procrastiner. Procrastinationniste, ça va être ça aujourd'hui. Donc, voilà. On se laisse distraire par des nouvelles idées, on se laisse distraire. Oh, Marie-Pierre est en là, je vais aller l'écouter au lieu de travailler. Hein? Procrastiner. Mais là, c'est correct dans ce cas-là, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas plus correct, c'est quand même de la procrastination. De 1 à 10, écrivez-moi un commentaire à quel point vous laissez l'imposteur procrastinationisateur vous empêcher de passer à l'action. Hey, t'es à 10, Étienne! Oh! Christelle? Céline et Céline? OK. Céline, elle est tout le temps zéro. Elle n'a pas de... Christina, 10. Marjorie, 9. Ah, René a dit, je viens de me faire pogner, j'écoute et je travaille. Claudie est à 6,7. Marie-Claude, ça, c'est une vraie multipotentielle, Claudie, hein, parce qu'elle pensait en plus qu'elle ne l'était pas, mais elle l'est tellement. Donc, moi, là, ça dépend des jours. Présentement, c'est sûr que je fais ce que j'ai à faire pour faire mes lives, mes lancements, mais tu sais, je serais à 5-6. C'est quand même pas trop pire. La procrastination est le vol de votre temps et de votre potentiel. Imaginez que la procrastinationniste, le gars qui procrastine ou la fille à côté, là, l'invité, là, il vient voler votre temps et votre potentiel à chaque fois. Ne laissez pas vos rêves s'échapper à cause de votre inaction. Pour moi, là, je lis ça et je suis comme, OK, correct, on part, on passe à l'action. 10 façons de continuer à procrastiner, éventuellement devenir la meilleure multipotentielle procrastinationniste du soleil. Voyez-vous comment je fais des liens? Avez-vous vu? C'est comme, tu sais, je me rappelais même pas que j'avais écrit ça, c'est pour vous dire. Commencez une tâche, puis changez de tâche. Vraiment rapidement, le plus possible, puis changez de tâche encore. Jusqu'à temps qu'on ait une tâche, plein de tâches à terminer, mais toutes les faire en même temps. Ça marchera jamais, là. OK? Plus qu'on passe d'une tâche à l'autre, plus qu'on procrastine. Donc, créer un système de points, okay, système de pointage dans une feuille Excel avec plusieurs couleurs puis des colonnes, parce qu'on aime bien ça. Il y en a certains d'entre nous qui aiment beaucoup faire des feuilles Excel, OK? Mais dans le fond, tu donnes des points à chacun, mais ça donne rien à la fin. Fait que ça aussi, ça peut t'aider à procrastiner. Trouve un ami, ça peut être Étienne, ça peut être Christina, ça peut être Céline, qui procrastine autant que toi. Puis vous pourrez procrastiner ensemble. Hein? C'est bon ça? Je l'aime bien, elle. Ça va être beaucoup plus drôle. Écrire un article, ça, c'est pour celles qui écrivent, dans le fond, qui ont un talent pour écrire. Donc, écrivez un article sur comment arrêter de procrastiner. Vous allez tellement passer de temps à l'écrire pour que ça soit vraiment parfait, OK, que tu n'auras plus le temps de procrastiner. Hein? Tu vas être en train de créer une pièce de contenu pour tes médias sociaux. Oh, oh, je l'aime bien, celle-là. Non, mais pour vrai. OK. Établir des intentions bienveillantes. C'est quoi pour moi une intention bienveillante, celles qui me connaissent? C'est parce que moi, des objectifs, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Des objectifs, pour moi, c'est je me mets une pression excessive, puis je finis toujours par être déçue. Toujours, toujours. Définir des intentions bienveillantes, c'est aller vers. OK? Donc, si je vais vers, puis c'est ça que je fais à tous les mois, moi, je fais un événement qui s'appelle le Café Planif et je planifie mon mois d'après. Est-ce que c'est planifié chaque minute? Non, pas du tout, parce que je sais que c'est pas pour moi. OK, mais je définis quand même des intentions. J'avais l'intention de lancer Octo le 20 mars et j'ai lancé Octo le 20 mars. Donc, c'est plus facile en découpant de petites portions atteignables. Utiliser une liste de tâches, une to-do list. On aime ça aussi, mais on n'est pas obligé de la faire en 28 couleurs. Hein? Encore une fois, feuille de carton, crayon de plomb, c'est cool. OK, ça peut aider. Ce qui aide pas, procrastinant. Ah, qui j'entends? Le perfectionniste? Ah! Je l'entends ici, il est en train de me crier quelque chose, en train de me crier que je dois faire toute la liste au complet pour réussir, sinon je suis en échec. OK? Mais c'est pas ça que je vous dis ici, là. Essayez de vider votre tête, encore une fois. Éliminez les distractions. Éliminez les réseaux sociaux, la télévision, le téléphone portable. C'est ça, la réalité. C'est que si vous mettez des notifications sur votre
téléphone. Personne n'est jamais mort d'avoir enlevé ses notifications sur un téléphone. Tout le monde peut attendre. Tout le monde. Votre priorité, ça devrait être vous. Donc, éliminez les distractions pour rester concentré. Vous voyez bien que la communauté présentement qui est là, puis que je vois tous les commentaires, des fois pertinents, des fois pas, mettons. Ça, c'est une distraction pour moi, mais tu sais, je vais être là présente aussi. Travailler par intervalle avec des moments multipotentiels. Moments multipotentiels, c'est que je planifie qu'après mon live, à midi, de midi à deux, je vais être en moment multipotentiel. Donc, je peux choisir d'aller marcher, je peux choisir d'aller faire des recherches sur comment faire pousser une rose dans une patate. Je peux vraiment faire ce que je veux, mais c'est des intervalles. À 2 heures, par exemple, je reviens à mon ordinateur. Donc, et trouver la motivation. Et pour moi, la motivation se trouve avec la carte mentale, une des formations que j'offre dans Octo. C'est vraiment de déposer ses idées puis d'aller chercher. Fait qu'à chaque fois que je manque de motivation, chaque fois que je suis en tourbillon mental, je reviens à ça, je suis fatigante. Je le dis tellement souvent que mais ça, c'est ça qui, moi, me sauve la vie. Donc, posez-vous la question. Si tu passais à l'action maintenant, là, t'arrêtais de procrastiner, mettons, là, now, là, c'est quoi tu ferais? Ben moi, je continuerai à vous parler, sinon ça serait vraiment bizarre. Mais vous avez sûrement quelque chose à faire que vous êtes en train de procrastiner. Je dis ça de même. Hey, elle est là, Claudie, regardez ça comment c'est beau. C'est beau, hein? Mais pensez pas que c'est beau, que c'est vrai. C'est drôle, là. C'est drôle, ces résumés, là. La multipotentielle d'Amérique, je l'ai lu, je l'ai lu vraiment, vraiment longtemps. Donc, vous pouvez aller voir sur mes pages. Elle va faire des résumés toute la semaine, donc recherchez-les, c'est très, très, très bon. Écoute, je suis en amour avec ces résumés. Donc, je fais une petite aparté. Ça, le mot aparté, c'était pour Céline de la France. Je trouve ça très beau, un mot, le mot aparté, pour dire que dans le fond, c'est ça. Si vous voulez avoir des informations sur la société Octo, on va parler des imposteurs pendant les 8 prochains mois. Tirez doute, on va commencer par la bonne lettre, www.p-octo.com. Qu'est-ce que ces clientes-là ont dit? Je me sens enfin accueillie, je me sens libérée de la boîte. Ça veut dire que moi, j'ai pris la boîte, j'ai ouvert la boîte, j'ai sorti tous les organes de Céline, puis de Christina, puis de Christelle. OK? Puis, ils ont pu sortir de la boîte. OK? Je me donne le droit de ne plus être en résistance, je me donne le droit de faire des erreurs. J'ai connecté avec des femmes qui sont devenues des amies. Ça, pour moi, toutes les filles, c'est mes amies maintenant. Ça paraît pas, là, mais Céline, Christelle et Christina, c'est mes amis. Là. Ben, peut-être que eux, pour eux, moi, je suis pas leur amie, mais moi, en tout cas, c'est mes amis, là, vraiment. Fait que, qu'est-ce qu'on a dans la société Octo? 8 rencontres pour parler des imposteurs. Ça, on en parle des imposteurs, là, j'en parle toute la semaine. On a aussi 8 rencontres de brainstorm. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Moi, j'ai un super pouvoir qui est de t'inventer du contenu de réseaux sociaux qui va faire que ça va être vraiment outstanding, OK? Puis, fait qu'on va faire des brainstorms. Donc, une fois tous les mois, on a une rencontre. Une fois tous les mois, on a un brainstorm. Fait que, mettons, Céline, elle va me dire, moi, je veux vendre ça, puis là, on va regarder ça ensemble. Donc, ça fait 16 rencontres totales. Une rencontre en présentiel à Drummondville, le 29 avril. Qu'est-ce qu'on fait dans cette rencontre-là? Il va y avoir des conférences, je vais en parler tantôt. Il y a plein de gens qui vont venir nous parler. C'est tout inclus, le dîner est inclus, tout, on va réseauter, ça va être, je peux pas vous dire, c'est une société secrète. 8 cadeaux, hein? 8 cadeaux. 8 cadeaux. Un instant, je vais écrire sur mon post-it le nom de la prochaine personne qui va acheter Octo. Sur mon post-it. C'est mon post-it. OK, bon. OK, fait que 8 cadeaux. Le 8 formations complètes. Donc ça, on va revenir avec ça probablement demain. Mais il y a 8, c'est pas juste 8 vidéos, là, c'est 8 formations au complet. Et des bonus et plein d'affaires. OK? Là, je vais vous parler des questions qu'on me pose et que je veux répondre le plus vite possible. Si je fais déjà partie de d'autres communautés, j'en connais plein, j'ai plein d'amis qui ont des communautés, pourquoi est-ce que je serais dans Octo? OK? Le fait d'être dans des grosses communautés, on se sent pas nécessairement en sécurité, puis on se sent pas à notre place. Ah, j'ai oublié le jeu. Emmanuel a dit le jeu, j'ai oublié le jeu. Le jeu. J'en ai parlé, là. Il y a un jeu dans la société. On gagne des badges, puis on gagne des affaires, puis c'est le fun. À chaque fois que vous finissez quelque chose, vous allez avoir un badge. J'ai assez hâte juste pour ça. Juste pour ça. D'après, j'aurais dû créer juste le jeu. Bon, on revient. Donc, en t'exprimant toute sécurité dans la communauté d'Octo, ça va t'aider avec toutes tes autres communautés. Ça va t'aider à arriver dans une salle de 200 personnes, faire comme « Salut, moi c'est Marc-Pierre, c'est encore vraiment un petit peu awkward, mais ça s'améliore. Progression et non-perfection. »
Est-ce que je suis obligée d'avoir un projet d'entreprise? Non. Dans aucun moment dans mon univers, tu as besoin d'avoir un projet d'entreprise, surtout juste un. Puis, donc, même si tu n'es pas un entrepreneur, tu peux venir dans Octo quand même. Il y a certaines formations qui ne seront pas pour toi, mais le but, c'est de connecter avec d'autres multipotentiels. Je t'ai inscrite à plein de formations déjà que je n'ai pas terminées. Et ça, là, je l'ai entendu vraiment, vraiment souvent. Pourquoi j'en achèterais une autre? OK? Si tu es multipotentiel puis tu ne prends pas en compte que tu es multipotentiel, puis que tu achètes une formation en ne tenant pas compte que tu es multipotentiel, c'est clair que tu n'as fini pas ou que tu ne la comprends pas ou que tu ne la fais pas de la bonne façon. OK? La plupart des formations, c'est je dois faire le chapitre 1 à 12, puis rendu à 12, c'est comme si j'avais terminé. Mais moi, ce n'est pas ça ma façon de faire. Fait que c'est vraiment comme une façon multipotentielle de t'approcher avec des intentions bienveillantes puis ce que toi, tu as besoin. Rapidement, c'est quoi la différence entre Octo et Clarity? Clarity, c'est mon programme après Octo. Donc, c'est vraiment pour celles qui veulent connecter avec moi, qui veulent avancer hyper rapidement leur projet. Vous devez avoir fait Octo pour faire Clarity. Est-ce que je suis assez multipotentielle pour être dans Octo? Si ça fait 27 minutes que tu m'écoutes, la réponse, c'est oui. C'est facile, hein? Est-ce que je suis obligée d'assister aux rencontres en direct? Non, pas du tout. Les rencontres sont en rediffusion. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais prendre une gorgée d'eau. Ah, Étienne, ça cogne à la porte. T'as-tu entendu? Il y a un imposteur bonus! Ta-ta-ta! Hey, c'est quoi l'imposteur bonus? Je l'adore. L'analyse et la réflexion. Et qu'on va avoir du plaisir. Donc là, on analyse. Mettons que quelque chose arrive. Mais là, on analyse de l'analyse, la suranalyse. Puis là, on fait une maîtrise sur l'analyse pour être sûr qu'on a bien compris. Okay? Ça, c'est un imposteur pour moi. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre la réflexion et l'action. On aime ça réfléchir, OK? Comme j'ai dit dans les derniers jours, la tourbillon mental, c'est comme une drogue. La réflexion, quand on est dans la réflexion, on n'est pas dans l'action, OK? C'est important aussi de prendre des décisions, même si on n'est pas sûr que c'est la bonne, et d'agir, OK? Puis si vous avez du mal à trouver ça, bien, d'en parler à quelqu'un, puis de faire comme, puis là, la personne va faire, bien, il me semble que tu réfléchis un peu trop, fais juste y aller, OK? Donc, est-ce que quand que vous avez des décisions à prendre, est-ce que vous avez l'imposteur analyse? À main levée, de 1 à 10. Ouais. Ça dépend des... Puis moi, je vais vous dire, ça dépend de mon niveau de fatigue. Encore une fois. Là, je vais analyser, je vais ruminer. Ruminer, OK? On va en parler de ruminer, je trouve ça très drôle. Pourquoi est-ce que penser et trop analyser peut nuire à notre bien-être? Ça va nous créer du stress. Plus qu'on réfléchit, plus qu'on est stressé. C'est fou, hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir parce que ça peut être une force pour notre potentiel de réfléchir. Ça nous amène à procrastiner. Regardons! Hein? Qui c'est qui vient de s'inviter encore? Eux autres, ils font des duos, des trios. C'est comme... Eux autres sont bien ensemble, OK? Donc, ça peut nous amener à procrastiner, de trop réfléchir. On ne passe pas à l'action. La rumination. Moi, le mot rumination, ça me fait penser à une vache qui broute de l'herbe. Je ne dis pas que vous êtes des vaches. Ce n'est pas ça que j'ai dit ici. Fait que Claudie, niaise pas, écris pas ça dans ton résumé, OK? Mais si on passe trop de temps à réfléchir, puis à des événements passés, puis à être mélancolique, puis dramatique, puis « Oh my God! » puis j'ai pensé à ça, ça peut nous amener à nous sentir encore plus mal. OK? Donc, la rumination. Je vais juste ça. Super. Donc, et la fatigue mentale, dans le fond, le tourbillon mental, a besoin de pauses régulières. OK? De pauses régulières pour fonctionner efficacement. Si on passe trop de temps à réfléchir, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on est? On est fatigué. Arrêtez quelle action que vous pourriez faire, puis que spontanément, on arrête de penser, puis on le fait. C'est ça, c'est se poser ces questions-là. Se poser les bonnes questions, comme dirait mon amie Karine Champagne, ça peut tout changer. Ça peut tout changer de se poser les bonnes questions. Donc, je vais juste faire ça ici. Voilà. Salut Marjorie! Donc, j'ai déjà, il y a certaines, dans la dernière cohorte auto, on était près de 40 personnes. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà les formations que j'offre. Il y en a des nouvelles. Mais l'affaire, c'est qu'Octo, c'est pas les formations. OK? Même si vous avez des heures de formation pour apprendre comment passer du projet au succès, comment s'organiser, vous avez des tonnes de formations. Octo, c'est vraiment les connexions, c'est les breakout rooms, c'est la journée présentielle, c'est les cadeaux. Donc, le bonus, c'est les formations. Et
Voilà, le reste, est-ce que j'ai besoin de m'acheter un nouveau cahier de notes? Non, mais tu peux. OK, tu peux. Si jamais, là, ça, c'est important, c'est vraiment une question que j'ai souvent. OK, je vais laisser parler Virginie. Je vais quitter l'écran. Virginie, est-ce que ton micro est ouvert? Oui, ça marche. Salut! Salut! Comment ça va avec ta belle cuisine? Bon, tu m'entends pas? Bon, elle met ses écouteurs. Ça, c'est être prête pour un live, ça. Christelle, enlève ton micro. Christina, enlève ton micro. Ils sont comme quoi? Ça marche-tu? Qui on voit dans le live, là? Attends un petit peu. Oui, ça marche. Ah, OK, je suis désolée, hein, j'ai des problèmes de micro tout Mais j'ai eu le temps d'ajouter plein d'autres membres. Donc, Virginie, Christelle et Christina sont mes amies, sont mes clientes, sont parfois mes coachs parce que c'est elles qui m'apprennent des choses. Virginie, pour commencer, Oui. qu'est-ce que ça a changé pour toi de savoir que tu étais multipotentielle? Et écoute, ça change tout parce que tu comprends maintenant comment tu comprends tes réactions face à tout ce qui t'arrive, tu comprends comment tu fonctionnes, puis par rapport à toutes les situations, là. Fait que c'est clair que pour moi, ça a tout changé. Puis tu sais, c'est fou de. T'sais, on dirait que tu refais. Moi, j'ai refait ma vie en disant OK, c'est pour ça là, que tu sais, je réagissais de telle façon ou qu'il se passait telle affaire ou que je me sentais comme ça. Fait que, évidemment, pour moi, ça a tout changé de savoir ça. Je sais pas si tu veux que je poursuive sur mon expérience Ben de Octo. vas-y, j'ai même pas besoin de poser de questions. Comment a été ton expérience avec Octo? Oui, mais écoute, moi, je vais commencer par te lancer des fleurs, OK? D'accord, vas-y. Attends, je vais avoir une fleur à me lancer quelque part, là. J'en ai plein. J'en ai plein, il faut que je fasse attention à mes chandelles. Vas-y, vas-y. Non, mais tu sais, juste l'opportunité de pouvoir te côtoyer dans ces rencontres-là, pour moi, c'est suffisant. Dans le sens que, tu sais, personnellement, je te trouve formidable. Juste par la personne que tu es, tes connaissances sur la multipotentialité, ta façon de l'aborder, tu es vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Un autre point, c'est Parle-moi sûr. donc de l'événement Octo pour toi. Qu'est-ce que ça l'a fait? Parce qu'eux ont eu un événement aussi, comme on va avoir le 29 avril. Mais Comment ça, tu c'est as un fait? autre point. Mon autre point, c'est le groupe, là. Tu sais, la magie d'être entouré de personnes qui sont comme toi, là, qui te comprennent sans que tu aies besoin de t'expliquer, de te justifier. Il n'y a pas de jugement. Tu sais, toutes les idées qui sortent de ces rencontres-là, les prises de conscience qu'on peut faire, ça, c'est vraiment magique. Puis la rencontre en présentiel, tu sais, non, mais l'énergie d'en place, là, comme on dit, c'était fou, là. Pour vrai, j'ai adoré, j'ai tellement hâte à la prochaine. Les conférences, le salon des artistes, en tout cas, l'énergie qu'il y a là, c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre. Merci Virginie. Merci Ça m'a fait d'être là dans plaisir. ma vie, d'être dans mes programmes. Virginie va être dans Octo, évidemment, puis de continuer à naviguer ce chemin-là, mais du potentiel avec toi, c'est vraiment un privilège. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Fait que maintenant, tu peux fermer ton micro. Salut Christelle! Christina, Salut. elle peut pas, son micro ne fonctionne pas, mais Christelle, toi, tu n'étais pas dans Octo, OK? Mais tu étais dans Clarité, qui est un autre de mes programmes, OK? Puis, j'aimerais ça que tu dises qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être à mon contact? Parce que la réalité, c'est que vous allez m'entendre parler dans Octo, vous allez m'entendre parler dans les masterminds, vous allez dans les brainstorms, dans les formations, etc. Vous allez voir ma face souvent. Fait qu'est-ce que ça a changé pour toi de me côtoyer? Je dirais que ça m'a plus libérée. Un OK. côté libérateur que j'avais peur de montrer. Et que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime s'exposer et tout ça. Puis à te côtoyer, ça me montrait que je peux faire n'importe quoi. Je peux m'en aller n'importe où. Je peux m'imaginer en train de surfer. Je vais dire ça de même. Tu sais? Puis j'ai compris, c'est à peu près pareil comme Virginie, mais que je suis vraiment multi, là, vraiment. Je comprenais pas pourquoi, mais dans ton contact, comment t'es, oui, je suis vraiment. Ça fait que tu m'as appris ça. J'ai rencontré des femmes formidables
dans Clarité, puis je sais que j'en ai rencontré autant des formidables dans tout aussi, mm-hmm. puis ça va plus m'aider à plus évoluer dans qu'est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce que je fais et tout. Ça fait pour moi, c'est vraiment une sortie de zone de confort immense, mais en même temps, je me sens libre de faire n'importe quoi. Tu sais, je me sens enfin la vraie Christelle. C'est fou parce que si vous l'aviez rencontrée là, il y a quelques mois, là, elle n'aurait tellement pas dit ce genre de choses-là. Tu sais, puis, je suis tellement fière de toi, Christelle. Merci beaucoup. Tu as travaillé très fort dans les derniers mois, puis on va continuer à être ensemble dans Octo. Je suis vraiment, vraiment contente. Merci beaucoup. Je te remercie à toi aussi. Fait que moi, je vais vous dire, les filles, qu'est-ce que moi, ça a changé d'être au contact de ces autres filles-là? Parce que moi, là, j'ai étudié qui aide qui, c'est quelque chose, c'est une phrase que j'aime particulièrement. N'importe qui ici peut m'aider autant que moi, je peux les aider. Moi, je suis multipotentielle, je ne suis pas guérie, là. Je ne veux pas être guérie non plus, jamais. Mais moi aussi, j'ai des imposteurs, moi aussi, j'ai des résistances. Ces filles-là m'aident, moi également, à le faire. Moi, ça m'a permis d'avoir mon espace. C'est pour ça que je l'ai créé, un espace sécuritaire pour être moi au complet. Pas de bullshit, là. Ça veut dire que si j'arrive et j'ai envie de pleurer, ça l'arrive. Si j'ai envie de faire des blagues, ça l'arrive. Si j'en, tu sais, c'est, puis je me fais pas juger. Pour moi, là, ça a été précieux. Fait que j'en profite pour remercier la quarantaine de personnes qui étaient dans Octo, la dernière cohorte. Vraiment, là, ça me faisait tellement plaisir de faire comme, ah, on a une rencontre Octo, on va se parler, je vais être bien, tu comprends, pour 2 heures. Je dis pas que je suis pas bien le reste du temps. Mais le reste du temps, je suis un petit peu plus comme en hypervigilance. Mais quand je suis avec vous autres, puis même là, je sais que, tu sais, j'oublie que je suis en live parce que je suis avec vous autres puis je suis en ma zone de confort, tu sais. Fait que merci beaucoup. On continue avec un autre imposteur. Êtes-vous prêts? L'éparpillement! Hein? On l'aime-tu, cet éparpillement-là? La désorganisation, éparpillement. Donc, manque d'organisation, incapacité à planifier d'avance. Là, on va parler du rendez-vous chez le dentiste le 6 janvier 2024. Ça sent bien. Ça fait des années que je prends cette date-là comme exemple. Je veux juste vous dire que ça sent bien vraiment plus vite que je pensais. Donc, et je n'aime pas ça, avoir des rendez-vous, même dans 2 ans. J'aime pas ça, savoir que j'ai un rendez-vous dans 2 ans, ça, j'aime pas ça. OK? Donc, d'avoir des rendez-vous, c'était tout quelque chose qui était vraiment pas confortable pour moi, parce que j'avais l'impression que le 6 janvier 2024, lors de mon rendez-vous chez le dentiste, j'allais avoir une opportunité exceptionnelle qui allait arriver direct dans ce moment-là, puis que j'allais manquer. Puis là, on parle du FOMO qui est là, pas loin non plus, qu'on va parler demain ou après-demain, mais la peur de rater quelque chose, ça va beaucoup dans l'éparpillement également. Quand on est éparpillé, bien, on a de la misère, quand désorganisé, ben, ça nous permet d'avoir tout ouvert, un agenda tout ouvert. Sauf que quand on a un agenda tout ouvert, quand on vit dans le flow, moi, j'étais ça, là. J'étais comme, ah non, moi, je suis dans le flow, là, puis comme, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai pas besoin de m'organiser, là, parce que je suis dans le flow. Mais ben, quand t'es dans le flow, là, dans ton entreprise, t'es dans le flow aussi, là. OK? Ça, c'est la réalité. OK? Donc, le truc, c'est de trouver des façons de faire pour écoutez la phrase comme ici, déterminer des priorités, établir un calendrier cohérent. OK? Ça, c'est facile à dire comme phrase. Bien, je me suis un peu enfergée, mais déterminer leurs priorités, établir un calendrier cohérent. Levez la main celle qui aime les agendas et qu'on aime les agendas. Moyen. Ah, mais j'avais dit moyen. OK. Donc, moi, j'ai à peu près 68 agendas. Il n'y en a aucun qui marche. Ça marchait pendant 3 jours, je mets ça plein de couleurs. Puis là, voici comment je vais m'y prendre. Je vais m'organiser, puis là, ça va être ça. Je vais mettre des blocs, puis des couleurs. Puis après 3 jours, c'est clair qu'on a terminé, puis qu'on s'en sert plus. Okay, fait établir, déterminer des priorités, puis établir un calendrier, pour nous, ce n'est pas la même façon que pour les gens normaux. Vous devez trouver votre façon. Moi, dans les formations d'Octo, je vous donne horaire et organisation. Mais qui est une formation pour vous montrer comment moi je fonctionne. Mais la réalité, c'est que vous devez y aller avec votre façon à vous puis la trouver. Puis pour la trouver, bien, il faut expérimenter. 3 jours de ça. Ne tombez pas dans le panneau de faire comme, ah, ça va être comme ça pour la vie. Ça, c'est pas vrai. C'est de la résistance à l'excellence. Pour la vie, ça va être beau puis on va jamais plus changer puis je vais être en amour avec mon agenda. Puis c'est pas vrai. La réalité, c'est ça. Fait que, trouver une façon de faire. Moi, je mets mes rendez-vous importants, les rendez-vous comme aujourd'hui, j'avais 10 heures à tôt. Après-midi, je t'enlève avec Christine Marcotte. Tu sais, fait que je l'écris. Mais à l'entour de ça, c'est des intentions bienveillantes. C'est ça que je vous souhaite. D'un à 10, comment est-ce que vous laissez la désorganisation vous empêcher de passer à l'action? L'éparpillement. 10. 5. Virginie?
T'as juste à me faire un chiffre. 7-8. 7-8. Puis en commentaire. En commentaire. En commentaire. Faites-moi des petites notes que je vois ça. Jacinthe a dit 12. Jacinthe, c'était 10 le maximum. 6 sont à Nantes. Voyez-vous comment c'est un autre membre de Cto, ça. 6 sont à Nantes. La désorganisation, hey, ça me fait rentrer dedans quand j'ai. La désorganisation est un terrain fertile pour la créativité, car c'est dans le chaos que naissent les idées les plus brillantes. Hey, j'ai pogné de quoi quand j'ai lu ça, là? J'ai fait comme. OK, fait que cette désorganisation est peut-être une qualité. Attention, ne tombez pas dans le déni non plus, là. OK? L'éparpillement des organisations, ce n'est pas une qualité. Sauf que peut-être que dans certaines des organisations, dans certains chaos, il peut y avoir de la créativité puis qui naissent les idées les plus brillantes. Si je n'avais pas eu tous ces imposteurs avec moi, je n'aurais pas pu vous en parler et aider mon prochain. Fait qu'est-ce que je me tape sur la tête parce que j'ai des imposteurs? Ben non, je les connais, je les ai tellement connus que je suis capable de vous en parler. Donc, ça devient positif pour moi. J'ai trouvé ça bien, bien cool. 10 façons d'être moins éparpillé quand vous êtes un entrepreneur multipotentiel. Donc, faire des listes, mais les perdez pas. Ça, je trouve ça bien drôle parce que des listes qu'on a perdues, c'est comme des bas dans ses cheveux. Je dirais ça de même, mettons. OK? On les perd facilement. Fait que je vous recommande de prendre un post-it, puis dans ce post-it-là, d'écrire ce que vous avez à faire, puis de garder ce post-it parce qu'il est vraiment beau. OK? Non, mais pour vrai. Donc, essayez d'utiliser un outil de gestion quelconque qui est le vôtre. Créer un environnement inspirant, OK? C'est inspirant, là, j'ai plein de fleurs partout, là, je suis comme, c'est cool, c'est beau mon décor, j'aimerais ça laisser ça de même, puis tout. Créez-vous un environnement qui va faire que ça va vous tenter de travailler. Évitez les distractions, j'en ai parlé tantôt. Est-ce qu'on pourrait avoir... est-ce que vous êtes encore là? Ah, c'est intéressant, on n'a plus de diaporama. Est-ce que vous voyez encore le diaporama? Oui, OK. Ah, utilisez votre calendrier, apprenez à dire non. Moi, je l'aime bien, apprendre à dire non, OK? Parce qu'on est... Quand vous dites non, faites attention. Quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention de ne pas dire non à vous. Juste de vous poser la question. À chaque fois que quelqu'un me pose une question et que j'ai le goût de répondre oui, je vérifie avant si je me dis non à moi. Okay? Parce qu'on est très bon pour mettre les autres en avant, on est très bon pour se mettre en arrière puis de faire comme je vais supporter cette personne, mais dans le fond, on n'a pas l'énergie pour le faire, etc. Faire des pauses régulièrement. OK? Tendance à être des travailleurs acharnés. Il est important de faire des pauses pour éviter le burn-out. C'est la réalité. On a tendance à travailler beaucoup, à ne pas manger, à ne pas dormir, plein d'affaires pour prendre le temps de ralentir. Oui, mais moi, j'aime ça travailler. Mais si tu continues de même, fille, la vie, elle va te donner un coup de pelle d'en face, puis ça va faire mal, le coup de pelle, parce que la pelle est en métal, là, elle n'est pas en jello. OK? Fait que ça va faire mal. Puis vous allez être en épuisement professionnel à vous demander comment ça se fait que je me suis rendue là encore. C'est ça la réalité. Moi, je ne dis pas les. Vous avez compris si ça fait 3 jours que vous êtes là que moi, je ne passe pas 48 chemins. C'est direct dans ta face. Hein? J'espère que ça ne vous déprime pas trop. Évitez la procrastination. Oh, je trouve ça drôle comment tous les imposteurs, ils sont amis. Ils sont vraiment amis puis ils sont comme non, Marc-Pierre, elle ne va pas travailler. Mon PowerPoint, il veut vraiment, juste vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas fonctionner. Donc, est-ce que vous voyez encore la même slide depuis tantôt ou. OK, parfait. Donc, on a parlé, Claudie a dit, je cherche une image de pelle en jello sur Google. Donc, voilà, c'est très pertinent. Puis, Lauréane est à 20, Claudie est à 10, Richard 23, Jacinthe à 12. Vous avez très bien compris le principe de 1 à 10. Bravo. Donc, les 8 rencontres et brainstorm, j'en ai parlé un peu tantôt. Donc, les rencontres qu'on va faire le mercredi matin à 9h. Donc, ces rencontres-là, on a déjà tout le calendrier de fait. Ça dure 1 heure et c'est 2 semaines un brainstorm, 2 semaines une rencontre. Elles sont toutes enregistrées, puis vous pouvez les réécouter. Au cas que vous seriez trompé de live, puis que vous ne savez pas qu'on parle des imposteurs, mais rendu là, je ne sais pas quoi vous dire, si vous ne savez pas qu'on parle de ça, bien, on va parler de ça dans les 8 prochains mois. La peur du jugement, le manque de confiance, le FOMO, la procrastination, l'éparpillement, la sécurité financière, l'indécision, l'autosabotage, le perfectionnisme et l'analyse qui viennent s'ajouter encore. Les invités de dernière minute, on n'aime pas ça, là.
Linda Lemay, elle chantait « Je veux pas de visite parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais, je veux pas de visite. » Vous écouterez ça? C'est bon. Mais c'est la même affaire que les imposteurs. On les veut plus. On les veut plus, ces imposteurs-là. Donc, si vous êtes intéressés, Lauréane, elle a mis le lien. Donc, un versement à 888, c'est taxe incluse, donc pas d'autres affaires. Si les prix sont en canadien aussi, je sais qu'il y a des Européennes qui nous écoutent. 3 versements de 296 et ou 6 versements de 148. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le code QR qui est là pour aller voir toutes les informations ou même si ça vous intéresse pas, allez la voir pareil parce que ma page, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, j'aimerais ça que vous alliez voir parce que j'ai travaillé fort. C'est de même. Mais même si ça ne vous intéresse pas, là, il ferait quand... Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Ça, ça serait gentil, mettons. Okay. Donc, je trouve ça très drôle. Demain, on parle du FOMO. Le FOMO qui est la peur de rater quelque chose. Et d'un coup que je rate cette cohorte de octo, est-ce que je vais avoir l'impression de rater toute ma vie en entière? Et le manque de confiance en soi. Donc, il y a quelque chose qui vraiment nous ressemble aussi. Puis, voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez envie... je cherche une image de Pelle Angelo. Eh, Seigneur! Je dis des affaires d'un fois. Emmanuel Leca, dis-moi qu'il prend 2 semaines avant de commander du linge en ligne comme si c'était une question de vie ou de mort. Et ça, c'est, on a parlé hier, hein, indécision. Puis pourtant, la peur de... C'est comme si de se tromper fait qu'on est une mauvaise personne. Mais c'est tellement pas vrai. On est des humains. Je vous annonce ça, là, je ne sais pas comment vous l'annoncer, autre, mais on est des humains. Puis, on n'est pas des robots. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, puis c'est en se trompant qu'on apprend. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Puis même moi, au fond de moi, je suis comme, « Ouais, mais tu sais, on a mis de reste. J'ai le droit de me tromper, mais si ça peut être à 99%, ça serait cool, non? » Est-ce que ceux qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ceux qui ont des enfants, on le sait. Moi, je le dis à mes enfants, tu sais, tu as le droit de te tromper, c'est correct, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des idées, tu as le droit de changer d'idée. À quel point on est loyal, les multipotentiels? Levez la main, 1 à 10, comment qu'on est loyal? Hey, là, je vais lever mes mains, mes 8 mains de robot, là, parce que je ne peux pas tout à fait animer. Tu sais? Donc, je n'ai pas le droit de changer d'idée parce que j'ai dit que c'était comme ça, puis que c'était comme ça, puis qu'il y avait 8 imposteurs, puis là, je suis rendu à 10. Combien y aura-t-il d'imposteurs demain? Vous devez être là à 10 heures demain sur la communauté pour le savoir. Jacinthe a dit 12, mais pas 12 imposteurs. Elle disait 12, que c'est ça. Fait que demain à 10 heures, je vais être là, ici, même place, même décor, avec plein de monde encore, avec peut-être Étane, je ne sais pas. Puis, t'as comme pas le choix d'être là, rendu là. C'est quand ça. Je dis ça de même. Puis, si vous avez des questions sur Octo, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Il n'y a personne qui me dérange. Personne ne me dérange. Enlevez-vous ça de la tête, je sais que c'est très difficile, mais écrivez-moi, ça va me faire énormément plaisir. Puis, on se voit demain à 10h. Bye tout le monde. Bye! Merci les filles qui ont parlé.